Bonjour, alors on se retrouve, c'est dimanche, c'est 1h30, dimanche 8. Je me suis apprêtée, alors apprêtée c'est un bien grand mot, j'ai juste mis le jean, voilà, j'allais pas sortir avec mon jogging tout pourri, donc j'ai mis le jean. Et j'entends Azélia avec qui on va aller faire des photos de paysages et tout ça, donc je vous en mettrai quelques-unes à la suite. Les photos de paysage, puisqu'avec les couleurs automnales, c'est des choses à faire parce que c'est magnifique. Donc moi je prends les deux appareils, je prends celui-là, pas pour vloguer parce que je veux plus apprécier le moment que passer mon temps à vloguer, mais celui-là parce que l'autre je suis pas sûre d'avoir assez de piles pour tenir. Donc du coup j'ai pris le gros, je commencerai avec le gros et si je vois qu'au niveau des piles ça va pas, je basculerai sur celui-là. Parce que celui-là, j'ai chargé la batterie, donc ça sera bon. Et puis pour aujourd'hui, c'est tout. Enfin, pour le moment, en tout cas, j'ai cherché Titi partout. Il était planqué sous le canapé de la grosse dans la chambre. Mais comme je ferme la chambre, je voulais qu'il sorte. Et je vous dis pas, j'ai galéré à le faire sortir. Mais galéré. Voilà. Bon, après, si j'ai d'autres choses à vous dire sur samedi et tout, je vous les dirai. Je vous les dirai ou ce soir ou demain. Puisque là, bon, je pense qu'elle va pas tarder à arriver, donc je vais pas perdre trop de temps. Voilà, je vais finir de chercher les piles et tout ça, donc voilà. C'est juste pour vous faire un petit coucou du dimanche, parce que c'est pas tous les dimanches. Voilà, bisous. Il est 19h15, lundi soir, j'arrive seulement, je vais vous expliquer. Donc hier, je ne sais pas si vous aurez eu les photos avant ou si je vous les aurais mis à la fin de, ou si je vous les mets à la fin de la vidéo. On verra, je vais vous mettre quelques photos. Sur mon Instagram, de toute façon, il y en a d'autres. Je n'avais pas mis beaucoup, j'en ai mis que 3. On s'est régalé, un temps et une température parfaite, ni trop chaud, ni trop froid. Moi, j'étais en t-shirt toute la journée, ça y est. Très bien été, juste il n'y a que le soir que j'ai commencé à mettre la veste. Au niveau des couleurs, c'était magnifique. On a visité des châteaux, enfin un château puisque l'autre on y est monté mais on n'a pas pu rentrer dans le château parce qu'on il prenait pas la carte bleue. Voilà, on sait, mais régalé à refaire absolument. Voilà. comme on a dit, il faut le faire aussi au printemps parce que ça fait d'autres couleurs quoi. Donc enfin voilà, on s'est vraiment régalé. On est rentré à presque 7h ou à 7h. Je crois qu'on est rentré à 7h. En partant à 1h30. 1h30, 2h moins le quart quoi. Voilà, on est rentré à 7h.
On a pris je sais pas combien de photos, enfin voilà, je ne sais pas, je les ai pas encore regardées, j'ai vu que celle du portable, mais j'avais l'appareil photo pour le faire. Enfin voilà, on s'est éclaté. Et aujourd'hui, donc on est reparti en virée pour toujours essayer de trouver ces fameux blocs à Action. Donc on s'est rejoint à l'Action le plus près d'ici. Et elle m'a envoyé un message comme quoi on se rejoignait sur un parking parce qu'il n'y avait que dalle, bien sûr. Donc on est parti au plus loin et la seule chose qu'on a trouvée et que j'ai pas encore entendu parler, c'est ça. Donc je vais tourner la caméra, je vais vous montrer correctement la chose. Alors, on a trouvé tout bêtement des dalles de bordure. Donc je vous les montre là, je ne vous fais pas de haul action parce que déjà j'en ai cumulé pas mal. Mais je vous les montre là parce que si jamais les filles vous en voulez, je pense qu'il ne va pas falloir traîner. Nous, il y en avait quasiment que un exemple, deux exemples de chaque, quasiment, à part un qui n'en avait qu'un. Et deux ou trois en plus, mais il y en avait très peu. Donc moi, sur les 8, j'en ai pris 7. Et pareil, Azélia en a pris 7 sur les 8, mais on a toutes les deux un modèle différent. Donc il y a celui-là. Ça fait pour la carterie, là c'est parfait, n'empêche. Hein, ils sont super jolis. À 1,39 les dailles, je vous ai pas dit. Ça en est un peu dans le même style qu'elle a pris, que moi j'ai pas pris. Voilà, celui-là sympa aussi. Celui-là aussi. Enfin, de toute façon, ils sont tous jolis. Franchement, ils sont tous très très jolis. C'est celui-là qu'elle n'a pas pris. Enfin, il n'y en avait qu'un. Et celui-là est magnifique. Alors, j'essaierai. Merci, Tigresse. Attendez. On verra ce que ça donne. Je ne les ai pas testés. On vient juste de les avoir. Hein. 1,39 €. Bon, écoutez, ou 36, on prend pas de gros gros risques. Et puis, on n'a pas eu les autres, non. Voilà. Donc, on a cela, on n'a jamais eu les autres. On s'est dit que bon, finalement, c'est pas plus mal parce que les autres, on peut les avoir sur AliExpress. Même si on les avait eu là, on les aurait pris. Mais bon, enfin voilà. Donc, il y a ça. Et je voulais aussi vous dire que j'avais reçu de la part de Beauté Test le bicérum Densitium. Ok. Mon spécial peau mature. De SVR. Donc là, c'est vraiment le gros test puisque moi et SVR, ça passe que moyennement. Voilà. Je ne suis pas la plus fan de SVR. J'ai même pas regardé à quoi ressemblait le flacon. Plutôt sympa. Voilà, je vous montre le flacon, à quoi il ressemble. Voilà, j'espère que ça ne vous aura pas fait trop de reflets. Il est plutôt sympa. Il est. Ah, c'est un double flaconnage. Bon, on verra, écoutez. Ah ben oui, il y a deux trous. J'aurais dû. On verra, j'ai pas lu la notice, j'ai pas lu le petit mot qui me disait dessus. Je sais que j'ai un temps pour le tester, mais là je suis sur Rexaline. Je vais pas tarder à vous faire la vidéo d'ailleurs. Voilà, donc je suis super contente. Merci à Beauté Test. Hein. Je pense pas qu'il regarde mes vidéos. Excusez-moi, je me cale. Je pense pas qu'il regarde mes vidéos, mais si jamais il y en a un qui passe par là, ben, merci. Je suis contente d'avoir reçu ça pour tester. Donc, je vais lire la petite note qu'il donne. Voilà. Et sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? À part que je suis naze de chez naze, que je suis complètement cassée. Mais cassée de chez cassée, puisque avoir monté enfin, monter les étages du château, là, c'est pas les escaliers qu'on a chez nous. Hein, et comme j'ai forcé sur la rampe pour me tirer, pour m'aider à monter. J'ai le bras, j'en peux plus. Mais c'était un régal. Voilà. Je m'en fous d'avoir mal le lendemain quand c'est comme ça, quoi. Et c'est pas le dos qui me fait mal. Hein. Voilà. Moi, j'avais peur pour le dos. C'était pas du tout le dos qui m'a fait mal. C'est vraiment juste c'est les muscles, là. C'est juste les muscles. Et je vous ai pas dit pour la soirée foot. C'est une soirée foot. Voilà. Nous, on n'est pas vraiment fan de ce genre de soirée. On fait pas partie de ces gens qui. Voilà, on n'y arrive pas à se lâcher totalement et tout ça. C'est pas notre kiff, c'est pas notre genre de soirée à nous. Ceux qui aiment, tant mieux, hein, quand on leur dit lever les bras, ils lèvent les bras et tout ça, ils gueulent et tout. Nous, c'est pas notre truc, on est plutôt introverti de ce côté-là. On se met dans un coin et on essaye de se faire oublier un petit peu. Voilà. Sinon, c'était relativement quand même sympa. Ils ont fait une paella qui était très bonne.
Bon, moi, après, le dessert, c'était une tarte aux pommes, sachant que j'aime pas les tartes et j'aime pas les pommes. Voilà, mon homme a mangé ma part. Enfin voilà, ça c'était une soirée foot, quoi. On l'a fait pour le président, on l'a fait pour le club. Voilà, moi je m'en passe relativement bien. Voilà, lui aussi en réalité, mais bon là c'est lui, il fait partie vraiment du club, donc il pouvait pas trop échapper à la chose. Et moi, vu que c'est un samedi soir, c'est vrai que ça m'emmerde de rester toute seule, donc bon écoutez. Je suis venue, j'ai participé, il y en a qui m'ont vu, c'est bien. Voilà. Il y en a qui ont été choqués par ma taille apparemment. Qui s'attendaient pas à, quand même à ce que je sois aussi petite. Voilà. Mais bon, ils m'ont pas fait de réflexion ou quoi. C'était sur le ton de la plaisanterie. Quand je vous parlerai de ma taille, on reviendra là-dessus parce qu'il y a des façons de faire et où ça passe très bien normalement. Donc voilà, et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc la soirée de samedi, parce que je ne vous l'avais pas dit. Hier, la grosse balade, la grosse journée, je suis cassée. Demain, Titi perd ses petits bijoux. Voilà, je l'amène demain matin, 8h30 au véto. Je vais être. Mais là, j'ai 3-4 jours d'affilée, là, c'est chaud. Je l'amène demain matin, 8h30 au boulot, au véto. C'est dans la ville où je bosse, donc je ne rentre pas à la maison alors que je commence qu'à 10h moins le quart. Donc je vais aller sur mon lieu de travail, je vais tourner. Au pire, je m'arrêterai à la cafette et je prendrai un café. Après, je rentre et normalement, je rejoins ma soeur parce qu'on a un projet commun. Donc il faut qu'on fasse le tour parce que. Voilà. Et quand ça sera fait, quand je vous en parlerai. C'est rien de bien extraordinaire, mais on a un projet qui nous touche à toutes les deux seulement. Hein, mais je vous en parlerai à ce moment-là. Il faut. Demain, normalement, c'est comme aujourd'hui. C'est je rentre, je mange et je m'en vais. Voilà. Et normalement, c'est mon homme qui va chercher Titi. À moins que je puisse le récupérer à la sortie du boulot. Je ne sais pas encore. Enfin bon, on verra. Écoutez, sur ce, je vais vous laisser là et puis je vous reprendrai, je vous dirai demain et tout ça, comment ça s'est passé pour lui déjà. Et voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis bonsoir. Alors, je vous montre juste 10 secondes, mince, ça a changé. Je pense que c'est les filles qui ont marché sur le PC et qui du coup ont activé les vidéos. C'était une espèce de grosse bouche avec des dents partout, mais il n'y avait que ça. Je pense que je vais pas aimer celui-là de make-up. Je pense que je vais pas l'aimer. Celui-là, je pense, elle met des yeux partout. Je sais pas. Bon, enfin, parlons peu, parlons bien. Donc, je vous reviens pour vous dire, puisqu'il y a une petite modification dans ce que je vous avais dit ce matin. J'ai oublié de vous reprendre avant de me démaquiller, donc vous m'excuserez, je suis. Entièrement démaquillée. Je vais y arriver. c'est pas le changement, c'est pas Titi. C'est juste que je vais sortir avec ma soeur. Et finalement, elle a oublié et on le remet à lundi. Voilà. C'est juste ça. Et sinon, mon Titi, ben écoutez, il est rentré, tout s'est bien passé, mais alors il est naze. Il est dans le gaz et il est pas au mieux de sa forme, le pauvre. En plus, ils lui ont rasé bah, les fesses. Hein. Ils lui ont rasé tout ça. Alors quand il a la queue rabattue, ça se voit pas. Mais quand il marche, ça se voit un peu. Le pauvre. Je vais vous le montrer. Mon titi. Je pense qu'il nous fait un peu la tête. Il est resté caché tout l'après-midi. À moi, tutu. Oh. Donc, je pense que peut-être ce soir je vais le garder dans la chambre. Je ne sais pas encore. Je vais voir. Voilà, parce que. Par contre, elle m'a dit que ça allait être un gros chat. Il faut que j'arrête l'alimentation chaton. Enfin, que je finisse mes stocks et il faut que j'arrête d'en prendre. Que je prenne pour chat stérilisé. Puisque il a tout juste 6 mois, il fait déjà 4 kilos. Je parlais avec la fille d'une collègue ce matin qui a un chat qui a 5 mois, donc juste un mois de moins. Hein,
Et il fait même pas 2 kilos le chat. Donc, ben, quand on voit Tigresse qui fait pas 2 kilos alors qu'elle a 12 ans, et qu'elle a jamais fait 2 kilos d'ailleurs, ça va être un gros chat. Donc, elle me dit là, si on lui donne des croquettes pour chaton, il va devenir énorme. Donc, c'est pas le but du jeu, hein. Donc, il faut qu'on lui change l'alimentation. Je vais quand même regarder parce qu'elle m'a dit qu'il existe des croquettes pour chat stéri... enfin, pour jeunes chats stérilisés. Voilà, parce qu'il faut penser, il faut pas qu'il y ait de carence non plus. Donc, je vais regarder sur Zoo Plus, des fois, si ça y serait pas, voir à quel prix ils font. Je peux pas non plus. Enfin, voilà, c'est pas évident parce que les filles sont pas opérées, donc déjà qu'elle lui pique un peu de la gamelle. Donc je sais pas, je vais voir si c'est dans un budget raisonnable, bah en prendre, et sachant que bah, ça va être partagé tout ça, hein. Il faut un peu gamelle commune, hein. Voilà, même s'ils ont des gamelles à part, ils vont se piquer dans les gamelles les uns les autres. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça, comme quoi bah, finalement je n'étais pas sortie, mais que... J'ai pas trop récupéré quand même, hein. Que je suis pas sortie, mais que par contre on a bien récupéré Titi, que tout va bien, qu'il est en pleine forme, qu'il est pucé, parce qu'il a été aussi pucé. De toute façon, c'est la condition de l'association, c'est de les faire stériliser et de les pucer. J'ai préféré la puce au tatouage. Et que bon, il a passé l'après-midi à dormir, le pauvre, ce que je comprends fortement. Puisqu'une anesthésie, c'est jamais rien, quoi. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser là et je vous dis à la prochaine. Je sais pas si je vous reprends demain, après-demain. Enfin, on verra, comme d'habitude. Allez, bisous. Bonsoir, enfin bonjour. Nous sommes vendredi, il est 6h15. Je vais clôturer le vlog ici. Voilà, je vais juste vous montrer vite fait. Je me suis pris ça comme passion scrap, passion carte créative, voilà. Parce qu'il y a toujours des papiers à l'intérieur qui sont magnifiques. Et celui-là, que j'avais pas jamais vu. Je ne sais pas, ça fait combien de temps qu'il est sorti, celui-là. J'arrive pas à savoir c'est le numéro combien. Peut-être que ça va me le dire sur la tranche. Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Ils disent que dalle, ouais. Je ne sais pas c'est le combien. Je ne sais point. Bon, en fait, c'est pas très grave, hein, en même temps. C'est celui-là, l'atelier des nanas. Moi, j'espère que vous les verrez. Il a l'air plutôt sympa. Il y a des DIY et il y a aussi des papiers à l'intérieur pour le scrap. Voilà, donc ça a l'air plutôt sympa. Il y a des motifs et tout ça mignon. Enfin, voilà, ça touche pas que le scrap, hein. Ça touche un peu tout. C'est vraiment le DIY. Maison, cuisine, tout quoi. Donc je vous dirai comment il est. Je vous dirai s'il est bien ou pas. Voilà. Comme on est vendredi 13, j'ai fait un loto et un euro million. Donc du coup, j'ai pris les deux magazines. Par contre, celui-là, il est à 8,50, carte créative. Et l'autre, il est à 7,90. Hein. Bon, ça va que j'achète plus de revues. Donc c'est les seuls que j'achète. J'en achète qu'une fois par mois, c'est sur le scrap. Puisque avant, je prenais les beautés, je crois. Quelque chose comme ça quoi et ils l'ont arrêté donc, voilà. Sorti de ça, qu'est-ce que je voulais vous dire? Pas grand-chose depuis hormis que on s'est échangé nos happy mails avec Azélia ce matin. Elle m'a ramené deux trois petites choses de Action et Noz, voilà, qu'elle a réussi à trouver. Merci, merci, merci encore. Parce que sans elle, il y a plein de choses qui me passeraient sous le nez. Et sorti de ça, ben, pas grand chose. Ouais, non, vraiment pas grand chose. Sorti de Titi qu'il a perdu ses bijoux de famille. Il n'y a rien eu d'exceptionnel cette semaine. Voilà, je devais descendre, finalement, je ne suis pas descendue. Hormis, alors je sais que. Fait, hormis, ça fait partie de la semaine aussi, que cette semaine j'ai mal. Voilà, je crois que le château m'a ruiné pour la semaine.
Voilà, donc bon, j'ai pas pris beaucoup de cachets parce que j'essaye, c'est pas non plus la douleur fulgurante et qui me cisaille, mais là je viens d'en avoir une qui était sympa. Mais je suis un peu gênée, quoi. Voilà. Alors, est-ce que c'est que le château ou est-ce que c'est le temps et tout aussi qui fait, parce qu'il est très changeant. Il fait très beau, mais enfin voilà. Sinon, ben, j'ai repris Snap. Pour le moment, toujours contente de mon portable. Alors, j'ai pas repris Snap tous les jours, j'ai repris Snap un petit peu, quoi. Pas forcément tout le temps. Et sinon, ben, je vois rien d'autre à vous dire pour aujourd'hui. Là, pour cette semaine, quoi. Donc, je vais clôturer le vlog là. De toute façon, même s'il n'est pas très long, c'est pas très grave, puisque je vais vous faire un complément photo. Je vous aurais fait un complément photo. Donc, je pense que ça sera à récupérer un peu le temps. Puisqu'en blabla, ben, finalement, je pense pas qu'il y aura eu grand-chose. En même temps, je peux avoir des surprises au montage, hein. Puisque je regarde pas les. C'est rare que je regarde les rushs avant. J'ai avancé pour le scrap. J'ai fait un album, une carte. J'ai pas fait qu'une. J'ai fini une carte, mais j'ai commencé à monter d'autres. Et l'album que j'ai fait pour le scrap, je vais en faire plusieurs comme ça. Comme ça va faire. Ça va faire plusieurs styles d'album. Et je pense faire des couleurs différentes aussi. Là, j'ai fait sous fond noir. Je me demande si je vais pas en faire. Sous fond blanc et tout ça, puisque j'ai encore du cardstock de couleurs, donc ben voilà, je vous montrerai quand ça sera suffisamment avancé. Voilà, sur ce, écoutez, je vais vous laisser là. Je vous fais à tous de gros bisous. J'espère que votre semaine à vous s'est très bien passée et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!